Bonjour, bonsoir, pour toute la supermarché de Josué. Mesdames et messieurs, je vous dis encore, nous rejoignons dans notre série de vidéos qui vont nous parler, en République Dominicaine et Haïti. Nous allons parler de visa dominicain qui a coûté 700 $ en Haïti pour jouer un visa dominicain. Mais ça, vraiment, c'est inacceptable. Un visa dominicain qu'on y a là, c'est extrêmement cher. Nous avons dit qu'il vient tourner cocaïne dans l'âme vernaculaire. Pas nous, j'en ai capable de dire. En Haïti, lui-même, il y a 5 points consulaires dominicains pour vous-même, ou quand vous avez un visa. Ça, c'est une information en bas. 5 points consulaires. Je dis, vous avez un Sapitre, qui est dans un sud-est là, un Sapitre, et puis vous avez un Port-au-Prince, et puis après, vous avez un Belader, et vous avez un Wanamet, et vous avez un Cap-Haïtien. C'est quand vous avez un visa dominicain, mesdames et messieurs. Bon, je dis, si vous payez 700 $ pour un visa dominicain, 700 $, on pense, combien on va le bus là qu'on y a là et coach là, j'aurai les là pour entrer en République Dominicaine. On va le bus là, on nous te paye 150 $ américains, on nous te paye 150 $ américains pour entrer en République Dominicaine. De 700 $, on a 850 $ américains là pour entrer en République Dominicaine. Alors, lorsqu'on est en République Dominicaine ou même quand on va voyager, qui va en Amérique du Sud là, faut payer hôtel pour dormir. Quand on parle d'un gros hôtel, on paye 150 $ pour une nuit là pour dormir. Pour prendre un avion dans le si tu veux pour voyager. Là, on est dans 850 $ plus 150 $ ou alors déjà dans 1000 $. Ou alors déjà dans 1000 $, mesdames et messieurs. Alors là, il faut manger. On dit, on te dépense, on met 30 $ américains pour manger. Bon, on met 20 $. On dépense 20 $ américains pour manger. On a 1020 $, mesdames et messieurs. Tout simplement pour voyager de République Dominicaine pour entrer, pour aller prendre un avion, pour aller d'un côté dans l'Amérique du Sud, là, pour obliger faire République Dominicaine cadeau 1000 $ américains. Par contre, 1000 $ américains, pour obliger faire République Dominicaine cadeau. C'est ça que je veux faire, prendre conscience ça, pour nous faire ça. Nous connaissons nous-mêmes, là, nous voulons voyager. Là, nous voulons nous un visa. En Haïti, pour nous voyager, nous pas, ouais. Quand on a quitté, et c'est pas un haïtien qui quitte, c'est pas deux haïtiens, c'est un pile haïtien qui quitte, qui a quitté comme ça en République Dominicaine. M'a dit, voilà, qui va te sortir, pour une tacana. Allez, maintenant, ce qui est plus bas, avec vous, oui. C'est pas égal, mais plutôt 1500 $. Maintenant, 1020 $, 1000 $ là, vous obligez de dépenser pour entrer dans un pays d'Amérique du Sud. Là, il faut quitter 1000 $ en République Dominicaine. Mais nous avons un aéroport en Haïti qui est l'aéroport Toussaint Louverture. Je dis, par décision nous-mêmes, nous quittons des gens à prendre pour nous, des gens à faire nous comprendre que c'est avec manifestation, c'est avec voyage, c'est avec tous les présidents qui ont résolu le problème personnel. Alors, c'est ça que nous avons côté nous là. Quand pile une ligne aérienne qui est en fait Haïti, nous venons par décision de manifestation. Caoutchouc a boulé, un porte qui a bloqué, moun qui a fermé dans ses voies de porte. Alors, ligne aérienne, ça, ils ont décidé de pas rentrer en Haïti encore. Quand il y a là, on peut dire seulement, c'est American Airlines, c'est JetBlue. Et puis, quelques petits pays dans l'Amérique, dans les Caraïbes, là, on fait une connexion avec eux. Et puis, Haïti, c'est un pays qui est vraiment fermé. Bien qu'il y ait une raison politique, entre Amérique latine, non, Amérique du Sud, là, surtout, avec Haïti, qui a raison politique là-dedans, c'est plus qu'à faire République Dominicaine croître économiquement. Mais on dit, si il y a 200 Haïtiens qui passaient en République Dominicaine, on prend 1000 $, on multiplie le bail 200. Où est combien de bail? Plus Haïtiens qui étaient en République Dominicaine. Où est combien de bail? Ça veut dire là, Haïtiens a supporté l'économie dominicaine. M'a dit, ou même qui est Haïtien, faut prendre conscience. Nous, les autorités qui sont Haïti, yo. Yo, mais t'es ouais, un jour là-bas, nous, on vole qui programme. Soit Haïti, ou même qui n'est pas là, ça va durer. Parce qu'il y a marché, par contre, qui ça va régler. Puis, on est arrivé dans le travail, là, par contre, franchement, peut-être même, on doit connaître. Même, par contre, ça Haïti à régler, il y a le bureau de l'État. Yo, mais t'es pas un bon vol qui programme. Yo, pas chercher qu'on est. Yo, pas payer rapport. Pourquoi Haïtien pas aimer rapport? Alors, c'est ça. Martin, Haïtien, il y a Haïtien qui a l'argent qui est dans la diaspora. Haïtien qui est aux États-Unis, Haïtien qui est en Amérique du Sud, là tout.
Alors, monsieur, même une fois par mois, nous allons dire pile, une fois par mois, il faudra y avoir une connexion, un vol commercial entre Haïti et un pays dans l'Amérique latine, qui par la République dominicaine, peut-être le Chili, le Brésil, côté qui est en pile concentration haïtienne. En fait, une par mois, nous allons dire deux, nous allons commencer avec une par mois, moi je connais un haïtien qui a l'argent qui a fait vol commercial, ça. C'est très très important parce que COPA pas décidé de faire Haïti encore, là, par une relation entre COPA et Haïti. Toute relation Panama-Haïti, presque ça n'a pas existé encore. Mabdine, voilà, nous sommes M. Josué, suivez jusqu'à ma vidéo, ça, c'est parce qu'elle était intéressante pour vous. Mabdine, partagez et puis abonnez, faire que j'ai un frère ou une soeur haïtien, n'a pas croisé dans notre série de vidéos. A plus l'offre pour nous toutes.